bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Véville. On a 64 vitoyens, ça fait un maximum et je ne sais pas s'il reste même quelques petites chambres de libre. Et surtout, on a un truc qui est génial, c'est que là déjà ils ont rangé tout le bazar qu'ils avaient laissé par ici, là. Hop, c'est rangé, donc déjà je suis en train de regarder, est-ce qu'on a... Oui, on a de la bouffe pour... Ah, nous sommes 66 en direct l'arrivée de gentils vitoyens et c'est rangé, c'est dingue, c'est fou, c'est hallucinant, c'est impressionnant. Bon, c'est presque rangé parce que bien sûr, toutes les têtes de gobelins, de hobgobelins et autres, j'ai passé pas mal de temps à chercher tout ça, mais c'est buggé dans la version de Towns que j'utilise et il n'existe pas de... il n'existe pas de zone de stockage dans lesquelles les stocker. Donc forcément, s'il n'y a pas de zone de stockage où les stocker, bah, c'est pas stockable. Donc du coup, ça, c'est râpé. Mais c'est pas grave. Alors là, pourquoi j'ai un truc comme ça bleu ici? Bon. Détruire, voilà. C'est pas bleu parce que ça, c'est pas beau quand c'est bleu comme ça. Donc là, ça monte là. Alors pourquoi il y a plein de pièges par ici? C'est complètement idiot. Il faudrait en mettre plutôt par là. Hop. Des petites pointes. Des lock traps. Allez, ici aussi. Des pièges à loups. Des petites pointes. Des lock traps. Puis encore ici, et puis encore des pièges à loups. Hop, hop, hop. Puis des lock traps. Foup. Des points. Ça, ça, ça. On supprime. Je sais plus du tout ce que j'avais mis, mais on va dire que c'est ça. Hop, hop, hop. Voilà. Ça c'est réglé, donc du coup je devrais avoir au moins des gens qui se sont décidés à commencer à faire tout ça, puisqu'avec tout le bazar on devrait y arriver. Donc là c'est toujours plein de farine, ça commence à diminuer, donc on va se poser la question de est-ce qu'il faudrait pas augmenter un petit peu la farine maintenant qu'on est quand même vachement plus nombreux que la dernière fois où pendant que je rangeais la ville on est descendu sous les 40 à quelques moments pendant le jeu. Mais là c'est bon, il y a plein de monde de partout et donc là ils doivent récupérer du fer. Est-ce que j'ai beaucoup de fer? Non, pas tant que ça. On va sûrement rallumer. Ah bah si, là il y en a plein. De toute manière, ça c'est du cuivre, ça c'est du fer. On va rallumer ce mineshaft. Hop, là il y a un petit tonneau avec un peu de bouffe pour qu'ils évitent de crever de faim lamentablement à une vitesse complètement absurde pendant le jeu. Donc ils sont en train de poser mes trucs, c'est très bien. La dernière fois j'avais dit que j'avais commencé à nettoyer un petit peu la lave. Bon, commencer était le mot à utiliser puisque bon, ça s'est fait un peu complètement détruire d'invasion pendant que j'étais en train de ranger, comme on voit là, je sais plus, la dernière fois il m'en restait 7 je crois des... Ah bah dis donc, des champignons de la jungle ici. Là il y en a de partout, j'ai eu des invasions absolument partout, donc du coup ça a été plutôt pas hyper pratique pour ranger tout après. Donc il y a un peu de fer ici aussi. Cette zone de stockage est pleine. J'ai un nombre d'armes proprement hallucinant. Il faudrait d'ailleurs que je prenne le temps entre deux épisodes d'équiper tous les vitoyens qui ne sont pas équipés, c'est-à-dire la grande majorité des vitoyens qui traînent dans la ville. Donc, du coup, ils sont en train de ranger, enfin de poser les pièges. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va, hop, toi, on va en équiper quelques-uns. Hein.
ceux qu'on arrive à attraper comme ça. Bon, ceux qu'on arrive à attraper comme ça. Hop. Hop. Toi, tiens. Si tu allais t'équiper. Puis toi aussi, tiens. Hop. Raté. Bon, ça suffit, hein. On en a équipé 3. Il devrait descendre à peu près ici pour s'équiper. Hop, un petit casque, non. Un petit casque, non. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont tous essayé d'attraper le même petit casque. Ce qui n'est pas très optimal de leur part. Hop. Voilà. Du coup, là, c'est en train d'être posé partout. On va pas forcément attendre que ça soit tout posé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose que d'habitude. À chaque fois, pour éviter de perdre les vitoyens à une vitesse absolument folle et hallucinante, on détruit les stockpiles. Hop. Normalement, il ne reste... S'il en reste une ici... Voilà. Normalement, il ne reste plus de stockpile nulle part. Si, il en reste une là. Et une ici. Voilà. Normalement, c'est bon. Il ne reste plus de stockpile. Je regarde quand même un petit peu... Je n'ai pas l'impression, donc c'est bon, on va pouvoir faire une échelle ici et c'est reparti pour plus de folie. Le temps qu'il fasse l'échelle, bien sûr. Ce qui devrait prendre un très certain temps, voire un temps extrêmement certain. Voire même un très 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 longtemps, puisque vu toute la file qu'ils ont et le fait qu'il n'y ait plus de bois. Et je regardais ça aussi quand j'étais entre les deux. Ah, dis donc, il n'y a plus de pommiers sur la carte, il n'y a plus de bois, il n'y a plus rien. Il reste deux pauvres champignons ici. Et c'est tout. Il n'y a plus un seul arbre dans la carte. Je pense que ça a eu un peu bugué quand même. Ça me paraît assez étonnant que ils dessinent qu'au bout de quelques mois, bon là c'est vrai ça fait un an, mais ça fait quand même que quelques mois au final. Ça paraît étrange qu'au bout de quelques mois ils décident que non, il n'y a plus d'arbres, c'est fini. Zéro, nada. Donc ça me paraît un peu étonnant de ce point de vue là, mais c'est tout à fait probable que ça soit plus ou moins un bug de quelques envergures dans le jeu. Du coup, c'est marrant. C'est que j'aurais dû, par contre, je me rends compte que j'aurais dû penser un peu mieux le nombre d'arbres que j'ai planté au début et en planter beaucoup plus. Parce que là, c'est un peu la galère. Il n'y a pas énormément d'arbres partout. Par contre, il y a énormément de vitoyens. Je sais pas combien ça me fait de héros tout ça. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 héros, 8 x 8, ouais, donc c'est ça, ça doit être racine du nombre, donc 64. Ça fait qu'il me faudrait 81 vitoyens pour avoir le prochain héros. Ouais, je crois qu'on va faire avec 8 héros. Hein. Ça me paraît être une pas mauvaise idée. Alors, est-ce que quelqu'un a porté l'échelle là-haut? Oui, j'ai fait le petit chemin là, mais je ne sais pas pourquoi, il y en a la moitié qui le prennent. Non, c'était un piège qui a été posé. J'aurais pu faire un mineshaft de cuivre, mais c'est pas extrêmement utile. Disons que le cuivre, c'est pas le truc dont je vais manquer tout de suite. Les os non plus d'ailleurs, je pourrais faire une baraque en os à un endroit. Ça serait peut-être plus rentable. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider ici. Hop, on va mettre en pause. Et à cet endroit-ci, on va commencer à
rangés de manière... Pas comme ça, non. Non, je pense que je le ferai entre deux épisodes, puisque ça va être un peu épique d'arriver à bien ranger les colorants et tout ce bordel. Et je pense que je vais faire un certain nombre de barils dans lesquels je vais ranger les colorants, les eaux, la pierre et une partie des ITEs pour être tranquille après à ce niveau-là. Ah, sympa comme pierre. Ah non, bah oui. Comme Ghoul End. Ah là là. Après, il faudra descendre encore. En fait, elle est où mon... Ah bah non, ça c'est... Lui, échelle. Non, Log Trap. On descend ici. Et là, on visite, et avec un peu de chance... Ici, il y a un dungeon room avec un peu de chance. Beaucoup même. Voire énormément. Si, en fait, on va commencer à construire les barils. Il y a si, cette stockpile de je ne sais plus ce que c'était. Cette stockpile de furniture. Est-ce que c'était une stockpile de furnitures? Ou de décorations? Ou d'outils? Je pense que c'était une stockpile d'outils. On va refaire celle-là et on va... Oh. Yeah! L'échelle est arrivée. Padadadam. On va demander quelques barils de raw materials et quelques coffres à ITEs. On va demander un peu plus de barils à ça. Et on va demander un petit peu de ça et un petit peu de ça. Et ça commence déjà. Oui, bon, en même temps, c'est vrai que s'il a essayé de s'attaquer à tout ça, c'était un petit peu dur. On va en demander 50. 40. Et après, Tools Chest. On va essayer de voir si on peut mettre des fours dans mes Tool Chests. Ça serait très drôle. Topanovich, the zombie. Tous ces monstres ont un petit nom très sympathique. Ceux-là sont abominablement difficiles à tuer. Bon, lui, il est mort, c'est déjà ça, hein. Je sais même pas où il est. Terowin machin est mort. Terowin Dangland. Et Ivar est arrivé à la place. Ivar, qui est un héros niveau 9, qui va crever lamentablement à une vitesse folle et absolue. Donc du coup, ils sont en train de me construire mes barils et mes machins et mes bidules et mes choses. Et je commence encore à avoir de la farine absolument partout. Donc on va diminuer de 1 le picking de la farine. Je vais finir par trouver le résultat optimal un jour. Hein. J'y crois encore un petit peu. Un petit peu. Bénédicte de Civil. Hop. Et donc, là, ça va être un peu long à visiter tout ça. Mais on verra ça la prochaine fois. Parce que genre, là, on va se laisser à peu près ici pour aujourd'hui. Une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, tout ça, comme d'habitude. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de La Vie. Allez, salut!